Bienvenue dans ce nouveau numéro de Politique Éco et bonne année 2019 à tous. Une nouvelle année qui commence avec l'une de nos stars, Pierre Jovanovic, dont c'est l'anniversaire. Aujourd'hui, puisque nous enregistrons cette émission le 3 janvier, Pierre Jovanovic, bonjour et bon anniversaire. Bonjour Olivier Pigeon. Vous avez retrouvé vos cheveux? Vous avez avalé une potion magique? Non, mais vous ne moquez pas, on va pas commencer l'année comme ça. Bon. Ben, mes amitiés à tous nos spectateurs, à tous nos lecteurs qui sont venus très très nombreux, attention, à Sainte-Geneviève, à Strasbourg, ça a été colossal, également à Paris. Vraiment, mes meilleurs voeux de bonheur et surtout de santé à tous nos spectateurs, et vraiment, je les remercie, on les remercie pour santé, leur présence. Bonheur, réussite. Oui, parce qu'il faut être sur le terrain hein, pour voir nos spectateurs. C'est très important parce que c'est là où les informations remontent. Hein, c'est très, très important, on va y revenir tout à l'heure. Je crois, était avec vous. Exactement, Héloïse était avec nous à Strasbourg. Absolument. Qui était déjà venu nous voir. Pierre Jovanovic, aujourd'hui, c'est également l'anniversaire d'un texte célèbre et qui fait l'actualité, qui défraie la chronique, c'est celle, la loi du 3 janvier 1973, cette loi qui oblige l'État français à se financer auprès des banques privées et non plus auprès de la Banque de France, un épisode législatif que certains estiment directement lié avec les manifestations des Gilets jaunes de ces dernières semaines. Qu'est-ce que vous en pensez, Pierre Jovanovic? Je confirme totalement. D'ailleurs, c'est ce que j'ai écrit. Alors, il y a tous ces papiers-là sur la loi du 3 janvier. Là, j'en ai fait une tartine. Hein, parce qu'on a pu voir... On a pu dire à un moment que on avant a vu cette que la loi, France l'État empruntait à 0% avant 73. Expliquez-nous. Non, mais c'est faux. Il n'y a jamais eu d'emprunt à 0%. Il faut comprendre que cette loi du 3 janvier n'est que l'aboutissement d'un travail de sape qui a été mené par M. Haberer, c'est un haut fonctionnaire des finances. Et ça a été, effectivement, c'est l'aboutissement total, c'est-à-dire l'interdiction progressive qui est faite donc au gouvernement français d'emprunter, effectivement, auprès des Français ou d'utiliser la planche à billets à des doses homéopathiques. Et donc emprunter auprès des Français, c'est-à-dire à 3,5%. Quand l'État allait auprès de la Banque de France, c'était pas 0%, donc c'était 3,5% apparemment. Il y avait deux autour de. Non, il y avait deux types en fait de rémunération. Okay. Soit on empruntait auprès des Français. Alors exemple l'emprunt Pinet. Un autre exemple, l'emprunt Giscard qui a été mis au point en 72 et qui a fait la fortune de beaucoup d'épargnants. Donc c'était à 3,5, parfois 5. Parfois 7, enfin bon, peu importe. Certains étaient même indexés sur l'inflation, hein, donc c'était vraiment très très intéressant. Et donc les Français étaient maîtres de leur dette. Non seulement les Français étaient maîtres de leur dette, mais en plus, ces milliards d'intérêts rentraient dans la poche des Français et de personne d'autre, ça partait pas à l'étranger. Comme ce qui s'est passé à partir de 73. Exactement, le côté diabolique de cette loi justement, direct. C'est de faire sortir, c'est de faire sortir ces milliards d'intérêts qu'on paye aux épargnants, de les emmener effectivement dans les banques étrangères et uniquement vers elles. À l'époque, et d'ailleurs, si vous allez sur quotidien.com, vous avez un bon du trésor de l'époque, n'importe quel Français pouvait entrer dans une banque, dans un guichet, acheter un bon du trésor de la France. C'est aussi simple que ça. Vous avez même un exemple, on va le voir sans doute derrière nous. Encore mieux, ils étaient anonymes, c'est-à-dire que les Français pouvaient effectivement transmettre une partie de leur patrimoine de manière anonyme. Et on le retrouve d'ailleurs dans tous les films noirs qui ont été tournés dans les années 60-70, avec Bernard Blier, Ventura, etc., les hold-up. Qu'est-ce qu'ils trouvaient dans les coffres, hein, quand ils ouvraient les coffres? Des bons aux porteurs. Des bons aux porteurs, qui plus est anonymes, vous vous rendez compte. Et qu'est-ce qui se passe si vous et moi, Pierre, allons dans une banque et on demande un bon aux porteurs au guichetier? Alors là, je mets au défi tous nos spectateurs, allez à la Société Générale, à la BNP, etc., et demandez à votre conseiller bancaire, entre guillemets, dites-lui que vous voulez acheter un bon du Trésor de la France. Vous allez lui faire exploser la cervelle. Il y en aura partout jusqu'au plafond, là, je vous le garantis. Ils ne savent même pas que ça existe. J'ai eu plusieurs de mes lecteurs qui l'ont fait. Hein. Les mecs, ils tombaient des nues. Ils ne savaient même pas que c'était possible. Ça vous montre à quel point le travail a été pernicieux. Mais je vais vous poser une question.
également à travers vous à nos spectateurs. Première chose, d'abord, pourquoi ont-ils eu besoin de faire voter cette loi si elle est si inoffensive que certains veulent bien nous la faire croire? Un 3 janvier. Et deux, effectivement, pourquoi la faire passer le 3 janvier, hein, hein, 3 janvier, je suis venu le 3 janvier, il n'y a jamais personne. Il n'y a jamais la gueule de bois, tout le monde est rétamé du 31. Ouais, alors vous avez des cadeaux pourris. Quoi. Qu'on a refilé de Noël. Ouais, exactement, voilà, il y a des trucs comme ça. C'est... Bon, alors, non seulement le 3 janvier, c'est vraiment l'idéal pour faire passer le truc, voilà. La personne. Voilà. Donc, les conséquences, c'est que donc il y a des trilliards d'euros d'intérêts payés qui sont partis à l'étranger au lieu d'enrichir les Français. On va en rendre compte depuis 50 ans. En plus, et donc en plus, je veux dire, les parlementaires et les ministres, depuis 73, n'ont cessé de voter des budgets déséquilibrés. Alors ça, c'est quand même la responsabilité de ces personnalités, qu'elles soient parlementaires ou ministres. Mais du coup, ça a engendré une dette qui est aujourd'hui de 2300 milliards d'euros, qui représente 100% du PIB. Et j'ai regardé ce que disait Michel Rocard. J'en avais parlé d'ailleurs il y a quelques semaines avec quelqu'un à votre place, Pierre. Oui. Il estimait, Michel Rocard, que la dette ne serait pas aujourd'hui de 100%, mais qu'elle aurait été en 2013, il y a quelques années, de 16 ou de 17% du PIB. Voilà, tout est dit. Je veux dire, attends, Michel Rocard, c'est quand même pas n'importe qui. Il était vraiment au sommet du pouvoir. Je veux dire, il avait accès à tous les dossiers par définition. Mais moi, je voudrais revenir sur cet article que j'ai fait, parce que là, c'est drôle. Dû au succès des articles qu'on a pu faire sur quotidien.com, et également du fait que Philippot, que Charles Gave, etc., en aient parlé, d'un seul coup, le Monde s'est réveillé. Et effectivement, alors n'oubliez pas, le Monde a appartenu pendant des années à un banquier, hein, Monsieur Pigas. Là, il a rendu un chèque, mais je pense qu'il a toujours ses entrées. Alors, c'est un article qui veut dire « Le Monde vient au secours de la loi du 3 janvier, preuve que c'est la bonne cible. Hein, » voilà. Alors, panique au journal Le Monde et sa filiale de la Gestapo News. Hein, j'y vais pas de ma morte. Hein, alias Décodex. Les Français découvrent soudain la portée de la loi du 3 janvier 73 et les Gilets jaunes sont de plus en plus nombreux, effectivement, à s'exprimer sur le sujet. Parce qu'on les a vus à la télé, effectivement, ils parlent de la loi du 3 janvier. Ouh là là, scandale. Là, vous touchez au cœur de cible. Alors, ni une ni deux, le quotidien de l'ex-rue des Italiens, pardon, de la rue Lauriston, a pondu le 13 décembre, non, la loi Pompidou-Giscard-Rothschild de 73 n'a pas créé la dette française. Une ancienne rumeur sur la dette fictive qui serait créée par les banques privées a repris de la vigueur parmi les gilets jaunes. Traduction, rien que le service de la dette qui est devenu le quatrième poste de l'État, et moi je me demande même si c'est pas le premier d'ailleurs, en paiement, n'est en fait qu'une rumeur. En fait, toute notre dette n'est qu'une rumeur selon Le Monde. Non mais attends, je sais pas si vous réalisez. Et cette dette... ils sont fous au Monde, le journal Le Monde, ils sont complètement cinglés. Cette dette Pompidou-Giscard-Rothschild, si elle revient justement... Il ne faut pas l'appeler ni Pompidou, ni Rothschild. C'est Giscard. Ouais. C'est Giscard. Le livre de Pierre-Yves Rougeron est extrêmement clair, son enquête est extrêmement claire. C'est l'équipe enquête sur Giscard. La loi du 3 janvier 1973. Exactement. C'est le fait d'inspecteurs des finances, appuyé évidemment par les Américains. Alors, je vous donne quelques phrases choisies. Pourquoi c'est faux? Cette rumeur n'est pas nouvelle. Elle avait déjà été démontée dans Le Monde en décembre 2011 dans une tribune de l'économiste Alain Bétoine. Quelques mois plus tard, une tribune des économistes Pierre-Cyril Hocker et Miklos Vary détaillaient le mécanisme de la propagation de cette légende urbaine. Donc la dette de la France, c'était en fait, c'était techniquement une légende urbaine. C'est génial. Alors, donc il se garde bien de parler comme vous de Rocard. Vous avez plus de légitimité au titre de journaliste que la fille du Monde, hein, techniquement, hein, parce que Rocard, elle préfère ignorer. Mais moi, je me suis penché sur qui sont ces économistes inconnus. Vous avez entendu parler, vous, Hocker, Vary, Bayton, et qui n'ont surtout pas vu arriver l'explosion de Wall Street, hein, et qui vous disent que c'est pas vrai. Alors, qui est Monsieur Hocker? Alors, je vais vous le dire. Et c'est actuellement directeur d'études à l'EHESS, donc c'est hautes études, machin, bidule, professeur associé à l'école d'économie de Paris, après avoir enseigné à l'école normale supérieure, à l'université Orléans, blablabla. Et il a reçu en 2003 le prix du meilleur jeune économiste de France. Hey, le mec, il n'a pas vu la crise de 2008 arriver, mais il a quand même... Vous voyez le genre, c'est le mec qui se distribue le prix. On a eu peur, encore un universitaire qui n'a jamais travaillé dans la vraie vie, quoi. Hein, voilà. Alors, à propos de Alain Bayton, alors écoutez bien, ça c'est drôle.
Agrégé de sciences économiques et sociales et professeur honoraire en classe préparatoire BL, lettres en sciences sociales. En clair, un brave professeur des lycées qui publie des livres chez l'éditeur le plus détesté des jeunes, Armand Collin. Il y avait un autre éditeur comme ça qu'on détestait, c'est Fernand Nathan. Hein, vous vous souvenez ça? On va passer le temps sur le sujet, puis on va avoir des ennuis. Alors ensuite, voyons pour Miklos Vary. Alors pas grand-chose, sauf que c'est un tout jeune blanc-bec qui a publié cet article sur Libération en 2012 et qui explique, écoutez bien, que la monnaie hongroise ne doit pas être entre les mains des Hongrois. Hein, vous voyez l'attaque. Voilà. Le Monde oublie de dire que c'est inconnu et surtout un salarié de la Banque Centrale Européenne et aussi de la Banque de France. La preuve, téléchargée, son curriculum vitae, je l'ai, il est sur la revue de presse. Attends, le mec, alors, par Stéphane István Vary, école des hautes études en sciences sociales, et Miklos Vary, étudiant à l'école d'économie de Paris. Voilà, donc, alors, je sais pas si c'est le père et le fils, bon, peu importe, on s'en fout. Voilà, alors, il a fait un seul truc, Hongrie, l'outil monétaire ne doit pas tomber entre les mains d'Orban. Donc, on voit bien le truc anti-européen, pardon, anti-indépendantiste, etc. Là aussi, on a eu chaud, hein. Rien que de l'angle du papier vous montre que les auteurs sont dans la ligne de la maison mère de la Banque Centrale Européenne. Des économistes, surtout désagrégés, hein, de seconde zone, voire de zone obscure, payés par les banques ou des facultés payées par l'État. Vous voyez comment le Monde vous désinforme juste pour protéger ses maîtres, les banquiers et l'Union Européenne. Notez que la fille, la journaliste donc du Monde, préfère citer des obscurs plutôt que Michel Rocard, qui a lui aussi désigné la loi du 3 janvier, comme vous, mon cher Pierre, de ce journal. Alors, voilà. Donc vous voyez la mauvaise foi de ce journal de collabo. Pierre, pour faire une, parenthèse, comment vous expliquez quand même qu'à partir de 1974, donc c'est-à-dire juste l'année d'après, les parlementaires se soient mis à voter des budgets déficitaires? Comment vous expliquez que, en fait, depuis 73, on vote des budgets déséquilibrés? Bah, d'une part, parce que le Giscard, si mes souvenirs sont bons, en fait, il avait quand même une bonne partie de la majorité à l'Assemblée. Alors, attendez, je vous donne un autre exemple. Alors, un exemple très simple, encore plus criant et parlant. Regardez, Nicolas Sarkozy, avec tous ses parlementaires, hein, donc c'est pas si vieux que ça, il y a 7 ans peut-être. Mais vous parlez de Lisbonne. Non, même pas. Il a fait voter une loi à l'Assemblée nationale donnant les clés de l'intégralité du contrôle de nos banques à la Banque Centrale Européenne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si le ministre de l'économie français veut dire, comme le faisait par exemple à l'époque, avant 73 ou même en 80, voilà, j'ordonne aux banques de prêter à toutes les PME, de leur faire des facilités, etc., etc., c'est plus possible. C'est Francfort qui décide. On n'a même plus la main sur nos propres banques. C'est quand même incroyable. Voilà, donc vous voyez un peu l'Assemblée nationale, dès qu'il s'agit de finances, il n'y a plus personne. Regardez la loi du 3 janvier, ils l'ont votée. Hein. Pour en venir un petit peu aux gilets jaunes, hein, puisque c'est quand même l'actualité, cher Pierre Jovanovitch, vous avez dans votre revue de presse évoqué le fait qu'on ait pu apercevoir sur ces VAB, ces véhicules blindés légers à Paris, des drapeaux de l'Union européenne. Pourquoi pas un drapeau français sur ces véhicules? Qu'est-ce que ça veut dire? Bah écoutez, j'étais très surpris. J'ai fait un reportage de sang. Enfin, là, vraiment, j'ai passé la journée sur le terrain et je suis tombé nez à nez avec ces camions. Oui, c'est des camions à l'avant, les VAB, hein, les véhicules à avant blindés, et avec le drapeau européen. Et alors, la préfecture de police s'est vantée. C'est Marianne, c'est nos collègues de Marianne qui l'ont sorti. La préfecture de police s'est vantée d'avoir une arme secrète. Moi, j'ai beaucoup aimé, on dirait un James Bond. C'est l'arme secrète, vous voyez, c'est le truc avec le tic-tac. L'arme secrète pour empêcher les gilets jaunes d'accéder à l'Elysée. C'est-à-dire qu'ils étaient persuadés qu'une masse. Qu'ils allaient encercler l'Elysée, ouais. Macron était terrorisé. Voilà, donc il y avait une arme secrète. Réfugié dans son bunker. Voilà. Et donc j'ai fait un papier, et là-dessus, un de nos lecteurs gendarmes, parce qu'ils sont très nombreux à suivre la revue de presse, m'a envoyé un mail, alors je pense que vous l'avez vu. Alors il dit, voilà, parce que moi j'avais titré le papier « Scandale absolu, Macron et Castaner ont voulu gazer les Français sur les Champs-Élysées avec un gaz handicapant ». Voilà. – Alors là, on va vous traiter de complotisme, là, Pierre, vous n'allez pas y échapper. – Bon, c'est déjà fait, hein. N'oubliez pas, je suis le pape d'un des complotistes. Hein. According to the Le Monde. Hein, voilà. Alors notre lecteur nous dit « Je vous apporte quelques précisions sur ce gaz pulvérisable. Il s'agit de CS, chlorobenzylidène,
malonitrile sous forme de poudre, donc paillettes, à l'état pur. On utilise cette poudre à différentes concentrations pour effectuer des épandages afin de simuler des attaques chimiques lors des exercices militaires. Effectivement, j'ai vécu ça. Ce qu'on faisait à l'armée, on faisait des exercices, ce qu'on appelait NBC. Je peux dire que c'est, ça craint. Le masque est obligatoire pour ne pas en subir les effets qui, à forte dose, non diluée donc, sont des hémorragies internes, des œdèmes pulmonaires, détresse respiratoire grave, fatale pour les plus fragiles, je ne vous parle même pas des asthmatiques, vomissements incoercibles. La difficulté de son utilisation, nous dit notre lecteur, donc gendarme, tient au simple sens du vent et à la persistance du produit sur le sol. Pour faire simple, le vent doit souffler dans la direction des manifestants. Donc déjà, c'est assez drôle. Pour peu que ça souffle vers l'Elysée, ça serait... Mais c'est vieux, ces expériences sur des populations comme ça, de pulvérisation en plein air, de substances... Vous posez la question, vous devancez la question. En fait, notre lecteur nous dit, l'armée britannique l'utilisait en Irlande, donc les grandes manifs, la guerre en Irlande du Nord, avec des grenades à 12 grammes et 50 grammes de CS, avant d'en interdire l'utilisation contre des civils. Et voilà ce que la préfecture de police et la gendarmerie ont décidé d'utiliser pour sauver Macron et sa bande de danseuses à l'Élysée. Non mais tu y crois pas quoi. Je crois que les habitants de Pont-Saint-Esprit aussi, je sais pas si vous connaissez l'histoire Pierre de... Oui mais là c'est autre chose, là c'est vraiment autre chose. C'est une pulvérisation comme ça en plein air, voilà, d'une armée. Je pense qu'ils ont fait le test, mais là ils étaient prêts à le faire. Ouais. Pierre, attends, c'est quand même extrêmement... C'est politiquement, pourtant, c'est... Pierre Jovanovitch, le ministre de l'Intérieur, M. Castaner, s'est réjoui à plusieurs reprises devant les médias, félicitant ses troupes d'avoir su maîtriser la situation. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette... exploit policier. Alors, l'exploit policier, il est très simple, c'est-à-dire que M. Castaner, parce que j'étais vraiment sur le terrain, à pas mal de manifs, en fait, M. Castaner, donc c'est la doctrine Castaner, donc il faut aller très très vite avec les policiers, etc. Je les ai accompagnés, je les ai photographiés, etc. J'ai vraiment vu. En fait, il s'agissait d'enfermer les gilets jaunes, on les laisse venir le matin. D'accord ? Toute la matinée. Et à midi et demi, 13h, on les enferme. On ferme toutes les. On les enferme sur les Champs-Élysées. Mmh. Voilà. Et tous ceux qui arrivent n'ont plus le droit d'y aller. Il ne faut pas qu'il y ait trop de monde. Il ne faut pas qu'on donne l'illusion qu'il y a 1 million de personnes de gilets jaunes. Donc, tous ceux qui n'ont pas pu aller sur les champs, du coup, sont restés aux alentours. Et donc, effectivement, les CRS les ont chargés. Donc, ils se sont répandus sur toutes les rues aux alentours. Et effectivement, ils ont tout cassé. Donc, la technique Castaner, en fait, c'est la protection des ultra-riches, c'est-à-dire rue du Faubourg-Saint-Honoré, Champs-Élysées, etc. Et les moyennement riches, on les laisse tomber. C'est ce qui s'est passé dans le 8e arrondissement, dans le 17e, etc. Ils ont tout cassé, même avenue... Même en province, apparemment. Même avenue Diana. Oui, pareil. Parce qu'il y a beaucoup de policiers qui sont arrivés de province pour venir en renfort de leurs collègues de la capitale. Et exactement. Ce donc s'est passé c'est à Bordeaux, vraiment les enfermer et ensuite les saucissonner. Donc la technique de Salami, on a eu l'occasion d'en parler avec Olivier Pichon qui nous a appris que c'était une vieille technique hongroise, justement. c'est quand même complètement fou. Et les gilets jaunes, malheureusement pour eux, aujourd'hui, moi je crains qu'avec vous savez que tous les achats de Noël, avec la carte bleue, à partir du 20, techniquement, ça passe fin janvier. Donc vous avez toutes les hausses qui interviennent au mois de janvier, plus tous les achats de Noël qui vont arriver fin janvier, avec le prélèvement à la source. Le mois de janvier, enfin le mois de février plutôt, va être très très dur pour des millions de Français. Et je crains que ce mouvement ne devienne encore plus fort. Et d'ailleurs, le gouvernement pense la même chose, puisqu'ils ont, pour la deuxième fois de suite, ils ont mis en prison, en garde à vue, M. Drouet, qu'ils considèrent comme étant le leader des Gilets jaunes. C'est complètement hallucinant, mais c'est du jamais vu pour moi. Ils étaient 15 ou 20 sur les champs, peut-être 50, et il y avait 100 CRS qui sont venus les serrer. C'est hallucinant.
Hallucinant. Et Pierre Jovanovitch, qu'est-ce que vous avez pensé de cette sortie du porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux qui a déclaré que ces gilets jaunes étaient antisémites? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter ce sobriquet? C'est-à-dire qu'en fait, c'est une technique de com. D'ailleurs, vous avez vu que depuis, la direction de la communication de l'Élysée, M. Faure a démissionné, puisque c'est lui qui chapeautait avec une autre dame, là, j'arrive jamais à retenir son nom, mais elle porte toujours des robes genre minimales. Il a démissionné, là. Il est parti en courant, parce que là, manifestement, ça pue. Il est vital d'ailleurs, on l'a vu dans la déclaration de Macron, cette foule haineuse. Il n'a jamais prononcé les gilets jaunes. Et donc, il est vital, maintenant, de mettre le rayon vert, le laser vert, antisémite. Voilà. Antisémite, là, c'est très bon. Ça permet de les décrédibiliser une fois pour toutes. Ouais. Mais malheureusement, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ils ont beau monter, essayer, etc. Ça ne marche pas. C'est incroyable. Parce qu'une fois que les gens... Moi, j'ai toujours dit, la révolution viendra. Alors, la révolution des Français viendra à partir du moment où ils n'auront plus rien à mettre dans le frigo. Toute la révolution commence par là. C'est ce que vous expliquez, Pierre, dans votre revue de presse, cette hausse de l'inflation entre 2008 et 2018 qui serait de 40%. Alors, c'est un journaliste britannique. Je l'ai constaté depuis des années en publiant, vous savez, des produits, par exemple des boîtes de gâteaux. L'inflation, donc on rappelle que c'est la hausse des prix. Ouais. Oui, la hausse des prix, ouais. Mais il y a une chose dont on ne vous parle pas, si vous voulez, c'est la baisse des produits. C'est la hausse des prix, mais il y a baisse des produits. Ça, on n'en parle pas. L'INSEE ne le voit pas. Alors, tiens, alors ça, c'est très intéressant, justement. En Angleterre, il existe une tradition de fin d'année qui consiste à offrir une boîte de Quality Street. Vous avez vu ça. L'un de nos lecteurs parisiens a ainsi vu dans le Daily Mail qu'en l'espace de 10 ans, c'est-à-dire donc entre 2008 et 2018, le nombre de bonbons a réduit de 40%. Size of Christmas favorites has fallen by 40% past decade, blablabla. Voilà, donc ils sont... C'est un exemple, mais c'est à titre indicatif, quoi. Et le prix est resté le même, évidemment. Le prix est resté le même, mais vous avez 40% de produits en moins. Alors, ce qui est intéressant, là, c'est que l'INSEE... On en parlait il y a pas longtemps avec Philippe Erlin qui a publié Sur l'arnaque, organisée par l'INSEE, qui trafique complètement les prix à la baisse à chaque fois pour faire croire aux Français que les prix n'augmentent pas. Mais vous savez pourquoi ? Depuis les années 80 à peu près. Mais vous savez pourquoi ? Parce que l'INSEE, le taux de l'inflation de l'INSEE, en fait, sert à rémunérer un certain nombre de choses, les hausses de loyers et surtout le livraire, etc. Tout est lié. Donc en fait, ils sont en train de... Pourquoi vous avez le mouvement des gilets jaunes ? Parce que depuis 10 ans, comme le note très bien Erlin, et comme le note tous mes lecteurs avec les produits qui baissent en quantité, c'est qu'en fait, c'est une inflation masquée et finalement, les gens se retrouvent au 15 du mois, ils n'ont plus rien. Mais on vous dit que l'inflation a été de 1% ou 2% par an. Mais c'est grotesque, c'est faux, c'est archi faux. On le voit par les produits. Moi, je dis, de ce que je vois et de ce que voient mes lecteurs, on croise les données, l'inflation en France est entre 8 et 10% par an. N'oubliez pas, l'INSEE met dans son calcul des prix la chaussure de ski et le bloc de béton. C'est un truc qu'on achète, vous et moi, tous les jours. Hein, ouais. C'est le bloc de béton. C'est Obélix. Oui, c'est l'Obélix avec son menhir. Chérie, j'ai ramené un menhir. tout le monde a besoin d'un menhir. D'ailleurs, c'est intéressant. Le matin. D'ailleurs, c'est intéressant. Le seul album de Astérix et Obélix qui traite d'économie, justement, c'est avec Obélix et la folie des menhirs. Vous regarderez. Et là, ils ont... Alors, Daily Mail, les journalistes de Daily Mail, enfin, notre journaliste, il nous dit en Angleterre, apparemment, la réduction des packaging... porte un nom. Les Anglais ont appelé ça « shrink inflation ». Je vous propose de traduire ce concept en français par « rikiki inflation » ou bien « rétréciflation ». C'est pas très heureux. Voilà. Donc vous avez le lien sur le Daily Mail. Mais pendant ce temps-là, bien entendu, l'INSEE nous dit que l'inflation a été de 1%. Mais c'est une arnaque. C'est une arnaque. Tant et si bien. Alors, dans le temps, là, je dois voir. Alors, pour Pierre, je... Attends. Puisque vous en parlez. Un nouveau biscuit. Non, mais c'est un biscuit très intéressant, regardez. Officiel. Attends, j'invente rien, j'en parle depuis des années. Non, non, non. Les assurances-vie en taux négatif. Ah oui.
Ah. Et j'avais noté ça. Attends, c'est pas dans un journal de conspirationniste, hein. C'est dans Le Parisien, vous vous rendez compte. Le Parisien révélait que certaines polices d'assurance vie ont eu un rendement négatif en 2018. Non, j'y crois pas. Ah bon? Mais il y a que Le Parisien, ils ont mis 10 ans pour découvrir cette arnaque. L'assurance vie pourrait faire perdre de l'argent aux épargnants en 2018, un cas rarissime. C'est le monde à l'envers. L'assurance vie, placement préféré des Français, pourrait ne plus du tout devenir un bon plan financier. L'inflation devrait être à 1,7 ou 1,8% en 2018. C'est sur votre site, Pierre. Non mais attends. Regardez la déclaration d'un... Alors, vous avez le fondateur du cabinet spécialisé Good Value for Money, M. Cyril Chartier-Castler, qui nous explique que c'est un phénomène extrêmement rare. Alors, M. Chartier-Castler, il doit pas être au courant, hein, parce que les taux négatifs, ça fait quand même... Des banques centrales, ça fait quand même un bail que les Suisses y sont. Hein. Il faudrait qu'ils se renseignent, le mec. Mais forcément que les taux négatifs des banques centrales allaient se répercuter sur l'intégralité du pays. C'est forcé. Attends, j'en parle depuis 7 ans de ce truc, que c'est en train de voler les Français en plein jour, littéralement. C'est incroyable. Pour faire une parenthèse, parler de l'annonce qu'a fait Emmanuel Macron lors de son intervention télévisée du 10 décembre, lors de laquelle il a annoncé cette prime de 100 euros pour les gens qui gagnent le SMIC. Et vous déclarez dans votre revue de presse que les mesures prises en France pour calmer la colère des Gilets jaunes risquent d'enfreindre aux règles budgétaires européennes. Qu'est-ce qu'il dit? Ça, c'est le président de la Banque fédérale d'Allemagne, Jens Weidmann. Donc Jens Weidmann arrive pour taper sur les doigts de M. Macron qui a pris une décision qui va à l'encontre des traités européens. Là, on est... La Banque Centrale Européenne vient de mettre le veto sur cette augmentation. De toute façon, Emmanuel Macron est coincé. Il est coincé, un, par l'endettement à 100% de la France. D'un côté. Ensuite, il est coincé par les soi-disant restrictions à 3% blabla de la Banque Centrale Européenne. Il est entre l'enclume et le marteau. Il est cerné, quoi. Et il est complètement cerné. Et il a sorti 10 milliards de sa poche, tel un magicien, vous savez, comme qui sort un lapin de son haut de forme. C'est magique. En plus, 100 euros, en plus, c'est une grosse arnaque, c'est 100 euros, parce que c'est tout un montage à la con qui vont être payés par nos impôts, bien entendu. Et en plus, je veux dire, c'est vraiment comme dans Les Visiteurs, hein, il lui jette une cuisse de poulet entamée, et le mec, il rampe par terre en disant mange. C'est évidemment pas un problème franco-français. Pierre Jovanovitch, cette révolte, puisque ça s'est exporté en Belgique, les gilets jaunes sont... Les Belges enfilent aussi le gilet jaune. Vous ne l'avez pas vu ça sur BFM VC. Vous ne l'avez pas vu sur VC News. Non mais attendez, les gilets jaunes belges qui ont littéralement, ils étaient plusieurs milliers, qui ont essayé de prendre la commission, le siège de l'Union européenne à Bruxelles. C'était énorme. C'était absolument énorme. Alors ça, on ne vous en parle pas. Il y a des gilets jaunes en Suède, il y a des gilets jaunes en Norvège, en Irak même, en Serbie. C'est en train de se propager. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé avec la loi du 3 janvier? La loi du 3 janvier 73, qui elle a enrichi? Elle n'a pas enrichi les Français, elle n'a pas enrichi les Espagnols, les Italiens, je parle des épargnants, des retraités, etc. Elle n'enrichit que des entités bancaires. Étrangères, en plus. Bien sûr. Je vous donne un exemple typique. On vous parle des années 80 comme les années fric. Les années 85, 88, etc. Les années fric. Mais pourquoi les années fric? Parce que d'un seul coup, les entreprises financières et bancaires ont pris le contrôle, sont arrivées au sommet. Et c'est elles qui ont embauché. Personne ne connaissait Goldman Sachs dans les années 70. C'était une petite banque obscure d'affaires. Personne ne connaissait Lehman Brothers. Et c'est venu des États-Unis, cette dérégulation totale. Oui. Personne ne les connaissait. Ouais. C'était des banques d'affaires, etc. Et grâce à toute cette masse qui partait vers les États-Unis, Goldman Sachs est devenu une banque colossale. Lehman Brothers est devenu une banque colossale. Salomon Brothers est devenu une banque, et ainsi de suite. Chase, JP Morgan. Ils n'avaient pas attendu d'être une banque colossale. Voilà, Morgan Stanley, Bear Stearns, la banque Bear Stearns, et j'en passe des meilleurs. Toutes ces banques sont devenues, mais sauf que c'est effectivement de la dette. C'est-à-dire que tout le monde vend de la dette à tout le monde, et comme l'a montré le professeur Antal Fekete, il n'y a qu'un seul extincteur de la dette, c'est l'or. Voilà. Si
si vous n'éteignez pas l'or, pardon, la dette avec soit de l'or, soit de l'argent, ou même du blé, au sens propre du terme, eh bien, vous ne faites qu'augmenter la dette et ainsi de suite. Voilà. Quel lien et aujourd'hui, on est au bout. Aujourd'hui, on est au bout, ça se voit. Pierre Jovanovitch, quel lien est-ce qu'on peut faire entre cette loi du 3 janvier 73, hein, pour terminer cette première partie, et le fait qu'en 71, le président américain Nixon ait décidé de désindexer le dollar de l'or en disant, voilà, votre billet de 1 dollar, vous ne pourrez plus aller l'échanger à la banque contre une once d'or. Est-ce que vous faites un lien entre ces deux... Bien sûr, mais c'est évident. Expliquez-nous. Je rappelle que Nixon est apparu à la télévision non pas un 3 janvier, hein, mais un 15 août. Mais ce qui revient, c'est exactement opposé. Date de la Sainte-Marie. Oui, non, mais 15 août, tout le monde était en vacances. Ouais, hein, ouais, tout le monde était sur les plages. Mmh. Voilà. Et grosso modo, il a dit à tous les autres pays qui sont sur Bretton Woods, en disant, bon, bah, allez vous faire entuber. Vous n'aurez plus de lingots d'or en échange de tous les dollars en excédent que vous avez. Voilà. Et on passe en monnaie de singe. En monnaie de singe. Alors, les Américains, sachant qu'ils ne pourront pas tenir ça très longtemps, ils ont inventé, grâce à leur accord avec les Saoudiens, le pétrodollar. Hein, vous ne pouvez pas acheter du pétrole si vous n'avez pas des dollars. Mmh. Donc c'était une sorte d'impôt hein, qui était pris sur le monde entier uniquement en faveur des Américains. Et la loi du 3 janvier a été passée exprès, pilotée par les Américains. On le voit d'ailleurs dans mon livre 666, parce qu'ils étaient... dans la traduction que j'ai faite, parce que maintenant c'est public, hein, les discussions qui étaient faites au ministère des Finances américain, ils avaient un homme, les Américains disaient « ne vous inquiétez pas, les Français seront d'accord, on a un homme à nous hein, qui va être au sommet hein, ». Je pense que c'est cet homme, hein, c'est Giscard, hein, même s'il n'est pas nommé. Hein, c'est pour ça que je prends le titre de Boris, du livre, je crois que c'est Boris Vian, « J'irai cracher sur vos tombes le jour où Giscard mourra, j'irai cracher sur sa tombe hein, ». Parce qu'il a vraiment c'est lui qui a trahi le premier, le peuple français, en permettant cette loi de passer. Et ce sont des centaines de milliards, de trilliards qui ne sont pas allés dans la poche de vos parents, de vos grands-parents, de vos grands-parents. Mmh. Hein, cet argent restait en France et était remis en circulation. Tout cet argent s'en va. C'est un appauvrissement global depuis 50 ans. 50 ans de trilliards d'intérêts, au lieu que ça reste en France chez les épargnants français, les retraités français, sont partis chez Goldman Sachs, chez Chase, dans les banques suisses, les banques japonaises, et j'en passe, c'est des meilleurs. D'ailleurs, aujourd'hui, vous ne savez même pas, ils ont même voté une loi pour qu'on ne sache pas à qui appartient la dette française. J'invente rien. C'est l'agence France Trésor. Hein, pourquoi cet anonymat, c'est pas innocent. Pour vous, c'est totalement lié au fait que les pays de l'Union européenne, comme par exemple la Grèce, l'Espagne, l'Italie. Giscard a fait passer la loi du 3 janvier dans le traité. Le taux de chômage des jeunes soit aussi élevé que des pays en développement. Par exemple, je vois le Nigeria 33,1, l'Italie 32. On arrive à des pays, à des taux de chômage chez les jeunes. Non, mais attendez, je prends nos spectateurs à témoin. Voilà, regardez bien cette info. Vous aussi, ça vous a marqué. Mm-hmm. Bravo Bruxelles, le chômage des jeunes en Europe à jeu égal avec les pays sous-développés. J'invente rien. Regardez bien, l'Afrique du Sud est à 50,8%. Et juste en dessous, vous avez la Grèce à 36%, allez, 37%, et l'Espagne à 35%. Ensuite, vous avez le Nigeria qui est à 33% de chômage. Et juste en dessous, vous avez l'Italie, membre de l'Union européenne, à 32%. C'est énorme. Mmh. En dessous, vous avez l'Iran à 28%, le Maroc 27%, la Serbie à 27%, l'Algérie à 26%. Attends, l'Algérie est du pétrole, hein, mais ils se sont fait rouler dans la farine, évidemment. La Croatie, qui est dans l'Union européenne, est à 23%. Écoutez bien, L'Albanie, le chômage des jeunes à 22,6%. Juste en dessous, vous avez le Sri Lanka, grand exemple de pays, effectivement. Voilà. Et la France 22, est au niveau du Sri Lanka, en fait, à 21,5%. Sri Lanka, 22,5%. Attends, les Turcs font mieux que nous. Les Turcs Les Turcs. Et on vous dit que Erdogan est un dictateur. Alors, c'est peut-être un dictateur, mais il donne... Ce qui fait que les jeunes restent de plus en plus longtemps chez leurs parents, du coup. Mais, alors, excellent, Pierre. Je vous retire la pierre, Pierre. Vous direz. Non, mais c'est excellent parce que je peux faire un enchaînement. Mm. Vous savez que je me souviens plus. Je crois que c'est. Je me souviens plus de son nom, mais il y a un financier de. Il a fait une enquête en 2007 aux États-Unis pour voir combien de temps les jeunes restaient chez leurs parents. Et quand il a reçu l'enquête de l'équivalent dit Sofres américain, il a vu qu'il restait de plus en plus longtemps. Et voyant ces chiffres.
il en a conclu que les ventes de lave-vaisselle, de meubles, etc., du premier équipement nécessaire à un jeune qui s'installe, etc., que les mecs, ils ne feront pas ces ventes. Et du coup, il a parié contre leurs actions, en disant que ça va s'écrouler. Et il a fait fortune. Hein, c'est la fortune, j'appelle ça la fortune Tanguy, la génération Tanguy. Ouais. Mais vous avez raison, parce que voilà, c'est vraiment ça. Et c'est terrible. C'est absolument terrible. C'est des générations perdues. Les millénials sont des générations perdues. Je dois avoir un papier, un autre truc sur les millénials quelque part, là, mais si on le retrouve, on a de la chance, là. C'est Las Vegas, là. Mais... Je vous propose, chers téléspectateurs, en attendant qu'on puisse retrouver éventuellement cette information avec Pierre, de faire une courte pause et de nous retrouver dans un instant. On parlera fiscalité, immigration, scandale bancaire, etc. Scandale bancaire. Et puis des bonus en plus, les personnalités préférées des Français qui sont. Ah, c'est excellent, j'adore. Ah oui, on va revenir. Les personnalités. Ça, préféré des Français. On arrive. À tout de suite. C'est incroyable. La deuxième partie de notre émission Politique Éco, toujours avec Pierre Jovanovitch. On va parler à présent des scandales bancaires avec Pierre Jovanovitch qui nous prévoit un effondrement de Wall Street dans une ambiance de règne du monde. C'est pas moi qui prévois. Wall Street s'est effondré. Attends, je vous rappelle que la capitalisation d'Amazon est passée de 90 milliards à 40 en l'espace de quelques semaines, et qu'ils ont été obligés de balancer des centaines de milliards de fausses monnaies pour le remonter au cric au 31 décembre. La réserve fédérale qui a balancé. Bien sûr, c'est la lévitation. Hein, c'est vraiment faire léviter les marchés. Et alors, puisqu'on parle de Noël... À part Amazon, allez-y. Puisqu'on parle de Noël, c'est important. Regardez bien. La Wells Fargo a été condamnée au moment de Noël. Oui. Hein? Ensuite, la JP Morgan, condamnée au moment de Noël, bien sûr. Et donc la Wells Fargo a négocié son accord contre 575 millions de dollars pour ne pas être condamnée effectivement. Et c'est ce que vous marquez, la JP Morgan, accord contre 135 millions de dollars. Alors je rappelle qu'elle avait fabriqué des millions de faux comptes fabriqués pour mettre des millions de clients à découvert dans le but, 1, de saisir leur maison et, but numéro 2, de se prendre un max d'agio. Donc c'est faire plonger ses clients, c'est énorme. C'est absolument énorme. 575 millions, c'est tout. C'est comme le note un journaliste américain. Sachez que si vous, cher spectateur, dans votre petite PME ou même dans votre grande PME, vous n'en aviez fait que 0,0001% de ce qu'ils ont fait, la Wells Fargo, vous seriez déjà en prison. Vous serez déjà en prison, littéralement. Et qu'est-ce qui fait, Pierre Jovanovitch, que justement des entreprises comme ces banques privées puissent faire ce genre de choses et que le Pékin, le premier venu, aille en prison s'il lui prenait Parce que les banques ont acheté tous les politiques. Les banques ont pris un tel pouvoir grâce justement au fait que tous les États sont obligés d'emprunter maintenant auprès des banques. Tous les intérêts, ces trillions, ont enrichi les banques. Donc les banques, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont acheté les politiques. Attends. J'en ai déjà parlé mille fois. Le président de la France est un banquier. On va le redire, mais bien sûr, c'est important. Et le président de l'Union européenne est un banquier, un blanchisseur. Oui, l'ancien Premier ministre du Luxembourg. Du Luxembourg, un alcoolique banquier. Et Mario Draghi. Goldman Sachs. Voilà. Qui avait conseillé à la Grèce de falsifier ses comptes pour endormir. C'est Goldman Sachs qui a fait plonger la Grèce. Voilà. Donc, ces jugements sont tombés au moment de Noël. La JP Morgan, pareil, condamnée à Noël. Alors, eux, c'est pourquoi? Alors, eux, ils ont, on va dire, ils n'ont pas donné toutes les infos. Donc, ce qui ne permettait pas à ses clients, qui avaient investi, effectivement, d'avoir toutes les informations. En fait, c'est pour les inciter, on va dire, à perdre de l'argent au profit de la banque. Mais la JP Morgan dit, non, on n'y est pour rien, enfin, on ne reconnaît pas notre faute, mais on vous paye quand même. Alors là, ils ont payé combien? 135 millions. Hein? JP Morgan will pay over 135 million to settle charges in mishandled so-called pre-released ce qu'on appelle les ADRS. Voilà. Et ensuite,
Banque Postale. Oui, ça vous ne se passe mon pas amour. Qu'en France. Ça vous connaissez ça, mon aux amour États-Unis, pour ça la se passe Banque aussi. Postale. Oui. Bah, bien sûr. Collusion, justice, banque. Hein. Mmh. Voilà. Mmh. Vous voyez la collusion. Elle aussi est condamnée le 24... Enfin, l'information est publiée le 24 décembre. Amende record de 50 millions d'euros. 24 décembre. Et pourquoi? Non, mais 24 décembre. Ouais, non, mais bon... Bah. Vous avez déjà vu un truc publié le 24 décembre, une décision de justice le 24... Le 24 décembre, je pense qu'il y avait la trêve des confiseurs, non? Hein? Il n'y avait pas la trêve des confiseurs? Enfin, c'est à partir du 20, non? Il y a encore des magistrats qui travaillent dans leur bureau. Ouais, non, mais manifestement, pour les banques, alors là, il y a eu des arrangements. Hein. Après ça, voilà, c'est énorme. La Banque Postale a coupé dans blâme. Dans son dispositif de lutte contre le financement du terrorisme, a indiqué l'autorité de contrôle prudentiel de résolution. Bon, c'est quand même... On n'a pas la, on ne sait pas pourquoi, hein, parce que la CPR, c'est une bande de froussards absolument énorme. Mais la Banque Postale a, entre le 1er décembre 2009 et le 13 mars 2017, exécuté au moins 75 opérations pour le compte de 10 clients dont les éléments d'identité ne sont pas clairs, hein, correspondent à ceux qui étaient fichés, on va dire ça comme ça. Hein, voilà. Et voilà, ils étaient fichés pour des raisons d'activité terroriste. Vous avez vu comment ils emballent ça avec du ruban, etc., pour qu'on ne comprenne rien. En fait, ils ont favorisé. Et vous, si vous voulez retirer 2000 euros de votre compte, on va dire non, monsieur, c'est pour quoi faire, etc. D'ailleurs, je vous donne l'exemple. Lafarge aussi s'était fait un petit peu poisser dans ces histoires. Enfin. Mais Lafarge, c'est autre chose. Lafarge, c'est la DGSE qui leur a demandé de le faire. C'est autre chose. C'est une histoire de renseignement. C'est autre chose. C'est pas on n'est pas du tout dans la même catégorie de la Pierre. D'accord. Il y a un lecteur qui nous dit « Je sais que vous fustigez la Banque Postale et vous conseillez de la quitter. Bon, en octobre, je ne reçois plus mon relevé bancaire. Hein, » Donc, il est à Marseille. « Un message sur le net m'apprend que je peux l'obtenir en créant un compte sur le site de la Banque Postale. » Alors, demandant le relevé papier, je le reçois pour octobre, mais il s'agit d'un duplicata qui me coûtera donc 9 euros. Voilà, un vol manifeste, puisque je n'ai pas demandé de duplicata, mais l'original. Aucune réponse depuis, malgré deux relances. Voilà, c'est une escroque. Enfin bon, la Banque Postale, franchement, c'est une catastrophe. Et un autre lecteur, alors écoutez bien, ça c'est génial. J'ai demandé à mon conseiller de la Banque Postale de retirer 2000 euros sur mon assurance vie. Et il me propose de contracter un prêt à la place. Incroyable. Je vous joins une capture d'écran du message reçu pour le croire. Il me conseille de contracter un prêt de 8000 euros. Voilà. Grand prince, il m'accorde un taux de 1% seulement. Ça illustre tout à fait la tension qu'il y a sur les assurances-vie en France. Mais pour 2000 euros quand même. Voilà. Ils veulent vous empêcher de sortir l'argent, votre argent. Alors, ils préfèrent vous endetter, hein, comme ça ils vous tiennent. Hein, voilà. Vous avez de la dette, vous êtes esclave de celui qui tient la dette sur vous. Avant de repartir aux États-Unis. Et c'est le principe de la loi du 3 janvier. Si vous vous endettez auprès des Français, et pas à 0%, hein, précise bien, hein, contrairement à ce que dit Charles Gave, et surtout Philippot, hein, franchement, n'importe quoi. Hein, la France est endettée auprès des Français, elle est libre. Là, elle est endettée auprès des étrangers, elle a des comptes à rendre, hein, forcément. Voilà. Avant de repartir aux États-Unis avec Blight Meisters, Pierre Jovanovitch, j'aimerais qu'on parle de cette arnaque du livret A qui volerait 6% par an à ceux qui ont des fonds au livret A. Le livret A est à 0,75 et rémunéré à 0,75. Et les Français, donc, ne veulent plus. Ils ont 400 milliards sur leur compte courant. Hein, vous avez vu l'info, elle est tombée. Les Français ont 400 milliards. Oh, quel dommage, cet argent ne sert à rien. Les mecs, ils aimeraient bien le récupérer pour le mettre dans leur bilan à eux. Mais je vous rappelle que si vous mettez 20 000 euros sur un livret A, ou même sur. Voilà, vous ne pourrez pas le récupérer. Parce que votre postier, votre banquier vous empêchera de le retirer. Et je le vois toutes les semaines. Hein, voilà. Donc ne mettez sur. Et les Français l'ont compris. Ils ne veulent plus mettre l'argent sur le livret A. Pourquoi faire en plus? L'inflation est de. Moi, je dis 10%. Hein, voilà. Allez, soyons optimistes, on va dire 8. Vous êtes rémunéré à 0,75. D'accord? Ben, vous perdez 7,25%. C'est énorme. Vous êtes en taux négatif. Je reviens là-dessus. Les banquiers centraux ont fabriqué tellement d'argent, de la fausse monnaie, qu'ils ont mis la terre entière en taux négatif. Et maintenant, ils essayent de nous faire croire que tout va bien.
Mais non, tout va mal. La preuve, c'est que les gens, au 15 du mois, ils n'ont plus rien et ils préfèrent passer le réveillon sur un rond-point du 31 décembre au 1er janvier à se geler les fesses et montrer leur désaccord. Vous vous rendez compte? C'est du jamais vu en France. Mmh. On est dans un état pré-révolutionnaire, insurrectionnel. Et je suis avec eux à 100% contre ce gouvernement de... Moi, j'ai jamais vu un gouvernement d'incompétents pareil. Même Hollande à côté, les mecs, on a l'impression que là, c'est Byzance à côté. Hein. L'équipe de Hollande, c'est surréaliste. Enfin bon. Et vous avez encore trouvé une conseillère de banque qui a volé ses clients 150 000 euros en servant directement dans les comptes. Enfin bon, voilà, c'est la énième. Ah ben, on en a plein, là. Tiens. On les collectionne. On les collectionne, il n'y a plus du tout... La jeune femme de 32 ans a ainsi détourné au moins 150 000 euros en se servant directement dans les comptes des clients entre 2015 et septembre 2017. Clientèle d'une banque située à Lyon. Non seulement les Français sont volés par l'État via les taxes et les impôts, mais derrière, ils sont dépouillés par leur banque. Et quand ils ont affaire à un conseiller, en plus, le conseiller se sert directement sur leur compte. Un peu comme la Wells Fargo, voilà. Mais des cas comme ça, il y en a des centaines. Sauf que la plupart du temps, les banques essaient d'écraser le coup. Et c'est très rare, effectivement, que ça arrive au procès, parce que c'est vraiment pas bon, quoi. En revanche, l'État a accordé des facilités aux plus grands patrons de télé et des radios. Vous avez vu qu'ils ont voté une loi pour qu'ils payent moins d'impôts. Plutôt que d'imposer Amazon ou Netflix, l'État préfère défiscaliser les grands patrons des médias. Moins d'impôts, et en plus, ils ont des subventions, c'est ce que vous déclarez, quotidien Libération en 2017, 6,3 millions d'euros pour afficher, en fait, dans l'entre-deux-tours, cette une, faites ce que vous voulez, mais votez Macron. Voilà. Libération, mais il n'y avait pas que Libé, Journal du Dimanche. Oui, non, mais tous. Enfin, mais Libération, ils avaient mis à la une, ouais, voter Macron. Ouais, voilà. Mais là, pour revenir au vol des banquiers, là, le banquier avait braqué sa propre agence. Donc le mec, il est fou. On croirait à une comédie d'Hollywood. D'habitude, les banquiers volent leurs clients. Mais cette fois, le banquier avait décidé de faire un hold-up dans sa propre agence. J'invente rien. Le 28 novembre 2000. Voilà, parce que l'affaire est arrivée au tribunal, donc ça date de 2015, mais un homme cagoulé et ganté muni d'une arme de poing pénètre dans les locaux de la caisse d'épargne de Guise. Il menace un conseiller commercial Bernard Coulmont et le directeur Stéphanel. Il ordonne au premier de ligoter le second et de faire entrer les deux autres hommes casqués, armés, etc. Ils se font remettre le contenu de la réserve destiné au distributeur de 300 000 euros. Voilà, ils ont pris la fuite. Et le banquier Bernard Coulmont était en fait l'organisateur de l'opération. Voilà, c'était dans le courrier Picard, j'invente rien. Non, mais c'est complètement surréaliste. Il y a un côté fin de règne de tout ce système financier. Quoi. Un symbole d'ailleurs de fin de règne de ce système financier, c'est cette fameuse Blight Masters, cette américaine PDG de Digital Assets dont vous avez... On en a parlé avec Olivier Pichon lors de notre précédente émission ici. Et là, c'est ce qu'on a trouvé, enfin c'est ce que vous avez trouvé, Pierre Jovanovitch, démissionné de son poste. Apparemment, elle a le FBI qui lui court après. Ben, en fait, est-ce que vous pouvez, la raison... Je vais expliquer, parce que ce que j'avais donné avec Olivier il y a un mois, c'est en disant qu'un ancien trader qui était sous les ordres de Madame Blightmaster... John Edwards. John Edwards. Donc, a reconnu dans une enquête du FBI qu'ils ont bidonné avec, bien entendu, l'aval de sa hiérarchie, donc Blightmaster, qu'ils ont bidonné pendant des années le cours de l'or et de l'argent. Donc, ce sont des trilliards de perdus à vous, chers spectateurs, si vous avez des pièces d'or, d'argent, etc., même si vous avez des drones or, vous avez perdu de la valeur. Non, mais c'est absolument énorme, c'est colossal. Voilà. Et donc, du coup, aujourd'hui, elle est PDG de Digital Asset et elle a préféré, bien entendu, démissionner plutôt tout de que suite. D'être mise en examen. Non, mais si elle doit être mise, elle va être mise en examen, forcément, à un moment donné ou à un autre. Mais il ne faut pas que ça soit dans le cadre de l'entreprise qu'elle a lancée, c'est-à-dire de Digital Asset. Ouais. Voilà. Il ne faut pas que le scandale retombe sur Digital Asset. Donc, vous voyez à quel point j'étais visionnaire, pour le coup, avec ce livre, puisque là, elle a vraiment les flammes qui lui lèchent derrière, c'est le cas de le dire. Et pourquoi le FBI fait une enquête? Alors, je vais vous l'expliquer, parce que... C'est l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. Non, pendant 20 ans,
le gendarme de Wall Street n'a jamais trouvé à redire hein, sur le fait que la JP Morgan truande, ouais, la CFTC truande le cours de l'or. Mais comme monsieur le PDG de la banque JP Morgan a insulté Jamie Dimon, il a insulté régulièrement Donald Trump. Donc Donald Trump lui a renvoyé un missile en disant bon voilà tu m'as bien pris la tête donc voilà maintenant tu vas manger la poussière. Hein, c'est, grosso modo c'est l'idée. Et bien entendu le FBI donc a été interrogé. Le trader il a pas mis longtemps à passer à table hein, comme on dit. Hein. Il a craché le morceau tout de suite. Hein. On aurait pu croire qu'il résistera un petit peu. Hein. Pierre Jovanovitch, est-ce que je vous propose de parler un petit peu de fiscalité, de hausse des impôts, de hausse des taxes? Vous mettiez en avant dans votre revue de presse le coût de l'énergie en France, plus 650% de taxes depuis 2000. Oui, bah, vous pouvez lire l'info. Taxes représentent 35% de la facture maintenant. Et attendez, si vous prenez une facture EDF d'il y a 15 ans, et si vous prenez votre même facture Edenis ou je sais pas quel nom, hein, je m'y perds comme tout le monde, vous vous rendez compte que vous payez tout ça deux voire trois fois plus cher et que vous payez des taxes et de la TVA sur les taxes et j'en passe, c'est des meilleurs. Heureusement qu'on se chauffe au nucléaire. C'est de la privatisation. Mais attendez, vous savez que dans le cadre... excellent enchaînement, puisque l'Europe nous force à vendre nos barrages, à privatiser nos barrages. Vous vous rendez compte? Ils veulent bien entendu la privatisation des centrales nucléaires également. Mais ça, ils n'osent pas trop. Pour quoi faire? Pour multiplier justement le prix, pour multiplier le prix de l'énergie par deux. Hein, ou voire par trois. On a vu, vous savez, en Californie, quand il y a eu la privatisation, ça je l'ai vu, je l'ai observé, vous avez une entreprise, bah, c'était Enron, justement, quand ils avaient besoin de liquidités, en fait, ils faisaient le forcing sur les prix, ou alors ils coupaient carrément l'électricité s'ils estimaient que l'État ne subventionnait pas assez, etc., etc. C'est du délire. L'énergie, le monétaire, tout ça doit rester public et uniquement entre les mains du gouvernement. Et là, aujourd'hui, vous avez juste une petite entité pilotée, dont M. George Soros est le meilleur symbole. Hein. D'ailleurs, vous avez vu que le Financial Times l'a nommé homme de l'année. Attends, ça ne s'invente pas. George Soros, hein, c'est grandiose. Hein, voilà. Donc, c'est la privatisation de tout au seul profit de quelques-uns. Voilà. C'est ça. Tout ce que De Gaulle a mis en place avec la sécurité sociale, etc., après la guerre, tout ça est en train d'être détruit pont après pont, et je pense que d'ici 5 ans, ou peut-être 10 ans, il ne restera plus rien. – Et ça va continuer, en tout cas, pour 2019, puisqu'apparemment, la France est obligée d'emprunter 225 milliards pour finir l'année prochaine, 2019. – La loi du 3 janvier, 2019. On revient, voilà. Ça, c'est 225 milliards. – 225 milliards qu'on va emprunter majoritairement aux banques américaines ou japonaises, banques américaines, japonaises, qui vont acheter notre dette avec leur fausse monnaie, avec leur planche à billets, et nous, on rembourse avec nos châteaux. C'est absolument scandaleux, c'est inique, c'est monstrueux, c'est absurde. Donc ça veut dire 4,5 milliards d'euros par an à raison de 2% d'intérêt par an. C'est vous qui avez fait le... Je le prends à 2%, puisque les taux d'intérêt sont légèrement négatifs, mais vous avez les frais de dossier, CTLM, etc. Bon, le truc classique, puis il faut les banquiers, il faut les rémunérer. Ils font pas ça gratuitement, les mecs, faut pas se leurrer. Rappelons que les Français sont déjà chacun endettés à hauteur 37. De 30... on va pas chipoter. Bon. Non, on va dire 35 000 euros. Du nourrisson jusqu'au vieillard. Exactement. Exactement. C'est monstrueux. Et Rocard a tout à fait raison sur la loi du 3 janvier. Et c'est pour ça que le journal Le Monde et tous les autres. Dites-vous bien que tous ceux qui défendent la loi du 3 janvier 73 sont aux ordres des banques. Voilà. Derrière eux, il y a les banques. C'est tout. J'ai vu sur un site, il y a un lecteur qui m'a dit « Oui, regardez, qui est pas mal d'ailleurs, contrepoint, article, Il dit « Oui, mais vous avez regardé qui a écrit l'article ?» C'est un financier banquier qui vit que grâce à ça. Je veux dire, les banquiers aujourd'hui ne vivent que grâce à la loi du 3 janvier, majoritairement. Et encore, ils sont tellement nuls, ils ont trouvé le moyen de se mettre tous en faillite. C'est tellement énorme. Tiens, à propos de faillite, on va rassurer nos spectateurs, tout va bien.
hein. La banque italienne, la banque italienne Carige, alors j'en ai parlé avec Olivier, hein. J'avais prévenu tous ceux qui avaient un compte chez eux de partir. Ben voilà, elle a été mise en administration au 31 décembre par la Banque Centrale Européenne. Donc vous voyez que là aussi, vous avez une banque saine. Hein, voilà. Et puisqu'on parle de banque en faillite, vous avez UniCredit. Vous en parlez, Caisse d'épargne. Allez-y. Caisse d'épargne aurait fait faillite pour la liquidation d'une succession d'un de vos lecteurs. La banque garde les fonds le plus longtemps possible, un an maintenant, au lieu de 3 mois, pour ne pas plomber son propre bilan. C'est la BPCE. Mmh, mmh. Dans ma signature à Paris, j'ai vu un de nos lecteurs spectateurs qui est notaire. Et il nous a expliqué, voilà, il nous a expliqué que avant une succession, hein, il mettait 3 mois à la régler. Maintenant c'est 1 an bien tassé, quoi. Et là vous avez vu, alors je sais plus, c'est Caisse d'épargne. Ils ont mis 7 ans à régler une succession, à rembourser. Voilà, ils gardent l'argent par devoir. Mmh. Et ils vous réclament 25 000 papiers que vous pouvez même pas aller chercher, bien entendu. Mmh. En fait, ils vous mettent un barrage administratif. Ils gardent les fonds pour. Exactement, exactement. Mmh. Et Caisse d'épargne, BPCE sont devenus les grands spécialistes de ça. Voilà. Donc je vous dis, faites très attention. Derrière, c'est les Français, c'est ce que faisait remarquer Nicolas Dupont-Aignan dans un tweet. Voilà ce que les Français ont payé depuis 2008 pour sauver les banques. Donc c'est 65 milliards par an, 17 milliards de taxes locales nouvelles, 36 milliards de TVA en plus, 17 milliards de CSG en plus. Le ras-le-bol fiscal, c'est Nicolas Dupont-Aignan qui souligne justement la. L'explosion des. C'est un énarque en plus, hein. On va pas, on va pas lui jeter la pierre, Pierre. Hein. Non, mais sérieusement, je veux dire, même Dupont-Aignan le relève, c'est quand même incroyable. Je vous assure, la loi du 3 janvier 73 est la clé de tout. Hein, vous savez que Pierre, Saint-Pierre, tient les clés. Hein, donc, hein, mais voilà, d'ailleurs, c'est le Saint-Patron des clés. Et d'ailleurs, Michel Rocard, pour revenir à lui, avait fait remarquer que de 1945 à 1973, il n'y avait jamais eu de crise financière. C'était un système stable. Hein. Maintenant, les cycles, c'est tous les 4-5 ans, on s'en prend une. C'était un système stable. Et je rappelle que les salaires étaient indexés à l'inflation. Hein. Faut pas l'oublier, ça. Et qui est l'enfoiré qui a demandé à ce que ça soit déconnecté, hein, que les salaires soient déconnectés de l'inflation, hein, je vous le donne dans le mille, c'est Monsieur Delors, socialiste. Hein, Monsieur Delors, socialiste sous Mitterrand. Hein, voilà, c'était à la demande du patronat. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Moi, je peux vous assurer à tous nos spectateurs, votre fiche de paye, elle serait autrement plus élevée si le. Et en plus, voilà pourquoi tout est bidonné aujourd'hui. C'est simple, tout est bidonné, à commencer par l'INSEE. Et on voit que ça, c'est en train de craquer de partout. Regardez, à tel point que Wall Street a explosé là en décembre. Le Premier ministre Édouard Philippe a dû repousser les hausses de 6 mois. Peut-être pour que les Français votent correctement. Oui. Il n'a pas été très très malin, parce qu'après Macron est venu, il lui a cassé le. Ben, ça, c'est un peu. C'est la baraque, ouais. Une arnaque. Tiens, je vous montre une arnaque. Une arnaque typique, banale, que BFMVC n'a pas à relever, mais que nos lecteurs, hein, qui sont nos spectateurs, eux, ils ont l'œil. Regardez. C'est Monsieur Widenhoff, donc je crois qu'il est opticien, donc c'est normal, il voit bien. Il dit, nous sommes allés à la poste pour chercher des timbres, et il nous a été annoncé que le timbre au tarif Europe sera supprimé au 1er janvier 2019 et remplacé par le tarif au tarif Monde. Seuls 2 ou 3 timbres zone France restent pour le moment en vigueur avec les augmentations de rigueur. Donc traduction, encore une énorme hausse sans que les merdiens n'en parlent pour l'instant. À part cela, rien n'augmente, c'est une rumeur. Voilà, je reprends votre citation, c'est ce que nous dit le lecteur, mais elle me plaît tellement. En effet, c'est moi qui dit, il faut être timbré pour croire que la Poste a remplacé le timbre Europe par le Monde, plus cher, pour se mettre des millions d'euros de plus dans la poche. Non, on n'y croit pas, hein, vous êtes d'accord? C'est ainsi, si vous envoyez une lettre vers la Belgique, hein, voilà, Bruxelles, je rappelle que c'est quand même pas loin, hein, puis en plus on est frontalier, hein. Cela vous coûtera aussi cher qu'une lettre en partance pour le Japon ou la Patagonie. Ni vu ni connu, voilà. Ils vont se mettre, je sais pas combien, 500 millions dans la poche, grâce à cette augmentation. C'est scandaleux.
Je ne parle même pas des entreprises qui font du mailing, etc., qui arrosent leurs clients d'informations, même pas les journaux. Tout le monde y passe, hein, c'est une augmentation globale. Et tout le monde, Pierre Jovanovitch, va y passer. D'ailleurs, à compter du 31 janvier, vous prévoyez, avec l'amputation des impôts sur la fiche de paix, un massacre à la tronçonneuse. On en a parlé tout à l'heure. Ouais. On en a parlé tout à l'heure. Ça va être un véritable massacre. Le mouvement des Gilets jaunes ne peut que continuer, par définition. Le nombre de mécontents, et surtout les retraités, et puis surtout les magouilles financières, et puis Bruxelles et Francfort vont venir empêcher Macron, et puis il y a les élections européennes, donc tout ça est une espèce de maelstrom. Mais le projet qui va suivre, si on estime que, en effet, et ça va continuer, ce mouvement des Gilets jaunes, de quoi ça va accoucher? L'ancien monde est-il en train de mourir? Est-ce que le nouveau monde va arriver, mais quoi en fait? C'est quoi ce nouveau monde qui agonise? Est-ce que c'est une sixième république? Est-ce qu'on va garder la cinquième? Enfin, d'ailleurs, on va. Pierre, on assiste à l'agonie du monde financier. L'agonie du monde financier se reflète dans la société. J'ai toujours dit. Il y a encore la force de tenir à bout de bras un petit peu, à se supporter. C'est ce qu'ils ont fait au 30 décembre. Ils ont imprimé je ne sais plus combien de milliards, ou même un trilliard, pour que Wall Street n'explose pas en plein vol au final, parce qu'ils avaient perdu l'équivalent de 20% ou 30%. Donc là, ils ont limité la casse. Mais ils sont en négatif sur toute l'année 2018. C'est un vrai problème. Hein. J'ai fait un grand papier là-dessus. Je ne sais pas où il est, mais peu importe. Enfin, on va le retrouver. Mais ce qui est de dingue, si vous voulez, c'est que puisqu'on parle de ça, et parce que j'ai écrit un livre sur les anges gardiens, et que parfois les lecteurs me disent quel est le rapport entre les anges gardiens et l'économie, ben je vais vous le dire. C'était dans le Télégraphe de Londres. Écoutez bien. Emmanuel Macron est devenu un ange déchu. J'invente rien. Oui, c'est les médias qui le lâchent en fait maintenant. Un banquier de la Berne, a expliqué que Macron est passé de l'enfant chéri, de l'Europe, de la banque, du monde financier, à l'état d'ange déchu. Hein, donc c'est l'éternel retour du concret, comme on dit. Voire le retour de l'éternel lui-même, tout simplement. Le système n'arrive plus à soutenir ses propres agents. Oui. Ah oui, la dette, elle est devenue telle que c'est un vrai problème. Et attendez, vous savez que la Banque Centrale Européenne a arrêté au 31 décembre sa planche à billets. Avant, elle achetait pour 80 milliards d'actions pour faire léviter toutes les banques. Qu'est-ce qui vient de se passer? Et c'est volontaire de la part de Francfort. C'est faire peur aux Italiens et se venger du fait qu'ils aient voté pour Salvini. Je l'ai annoncé ici maintes fois. Hein, je l'ai même donné avec Martial Bill quand je suis rentré de reportage de Rome. Eh bien, vous voyez, ça y est, ils ont mis tout de suite, Francfort a mis la banque Carige en administration. Bon, elle n'était pas. Il y en aura d'autres. Il y aura d'autres banques. Et ça, c'est pour faire peur aux Français. Ouais, vous allez voir. L'année 2019 s'annonce. Génial, du point de vue de journalistes financiers, bancaires, c'est formidable, c'est extraordinaire, on va assister à un feu d'artifice. Tiens, Monsieur Macron, Mr. Macron has turned from darling to fallen angel very quickly. Voilà. Donc ça veut dire que même le monde bancaire l'abandonne. D'ailleurs, vous avez vu que à l'Élysée, tout le monde démissionne à toute vitesse. Là, il est quasiment tout seul. Voilà, il est quasiment tout seul, Macron. Hein. Il va être obligé de rappeler Benalla. Hein. Oui, il y a un ministre, il n'y a pas très longtemps, qui disait que voilà, il y a que 3-4 personnes qui peuvent lui parler franchement, directement. Sinon, les autres, ils sont un petit peu. En fait, celui qui tient les rênes, c'est Monsieur Colère. Hein, c'est un énarque, bien entendu, parce que Macron, là, il est un peu perdu. Attends, j'ai vu une info dans Le Monde. Alexis Kohler, vous voulez dire, le secrétaire général de l'Élysée. J'ai vu une info dans Le Monde que Emmanuel Macron ne sort pas dans la rue sans être maquillé. C'est la première fois que j'entends qu'un président de la République se maquille pour sortir comme une minette, quoi. C'est quand même incroyable, quoi. Se maquiller pour sortir de là. Oui, la lettre est tirée, il faut pas que ça se voit. Oui, c'est comme le maquillage de l'inflation, quoi. Alors, vous avez 8% d'inflation, mais on va vous maquiller, on va mettre du Botox, etc. Comme ça, vous n'avez plus que 1% d'inflation. Voilà. Macron est à l'image de ce qui se passe dans le pays. J'ai trouvé cette information, somme toute, formidable des enfoirés du journal. Est-ce qu'en
Angela Merkel est mieux partie, en tout cas, est dans la même situation que son homologue, enfin pas son homologue, mais que le président français. Est-ce que vous vouliez dire un mot sur Angela Merkel qui a récemment prononcé un discours assez. Alors pour moi, c'est le papier. C'est le papier. Ouais. Non, mais vous avez raison. C'est le papier clé de cette année. Parce que j'ai présenté mes vœux aux lecteurs, spectateurs en mettant une revue de presse au 1er janvier. Voilà. Et je trouve que le papier le plus important de ce début d'année, c'est un papier qui est sorti chez Zero Hedge et que j'ai intégralement traduit pour le coup. Et qui s'appelle. En fait, c'est un article qui est allemand à la base et qui nous montre qu'en fait, la France va être effacée. Hein. Alors, je vous lis un extrait. Hein. Vous avez tout le reste, vous avez tous les liens pour vérifier. Les États-nations, là, c'est Angela Merkel, hein. Angela. Les États-nations doivent se préparer aujourd'hui à abandonner leur souveraineté, selon la chancelière allemande Angela Merkel, qui a expliqué à une assemblée à Berlin que les États-nations souverains ne doivent pas écouter la volonté de leurs citoyens lorsqu'on arrive aux questions sur l'immigration, les frontières ou même la souveraineté pure. Alors, Pierre, vous avez pas le fait... Le pacte de Marrakech, signé par notre président... Exactement. Vous voyez, vous avez fait une... inconsciemment, vous avez fait une jonction. On parlait d'ange déchu, et vous avez enchaîné sur Angela. Hein. Écoutez bien ce que dit... oui, mais c'est signé. Écoutez bien ce que dit le journaliste de Zero Hedge. Non, ce n'est pas quelque chose qui a été dit par Adolf Hitler voici quelques décades, mais bien ce que Mme Merkel a dit au public lors d'une cérémonie à la fondation Konrad Adenauer à Berlin. Elle a annoncé qu'elle ne se représentera pas en 2021 et il est clair qu'elle essaie de pousser son agenda globaliste jusqu'à ses conclusions les plus perturbantes avant de quitter le pouvoir. Mais de manière ordonnée, a-t-elle plaisanté, pour détendre l'atmosphère. On n'invente rien. Comme elle a toujours eu un peu de mal avec l'humour, aussitôt elle s'est lancée dans un discours sombre condamnant les gens de son propre parti politique qui pensent que l'Allemagne devrait écouter la volonté de ses citoyens et qu'ils auraient dû refuser de signer le pacte très controversé sur la migration des Nations Unies. Elle a dit « Il y a des politiciens qui croyaient qu'ils pouvaient décider quand ces accords seront caducs parce qu'ils représentent le peuple. Mais les peuples sont des individus qui vivent dans un pays. Ils ne sont pas un groupe qui se définit lui-même comme le peuple allemand », a-t-elle souligné. Autrement dit, allez vous faire bip, hein, littéralement. On se fout de ce que vous pensez, on se fout de ce que vous votez, quelle que soit votre opinion, référendum, pas référendum, élection, pas élection, on passera notre agenda. Et là, Angela Merkel vient de se révéler en plein jour. C'est ce que Nicolas Sarkozy avait déclaré en 2009. On exactement. Ira ensemble de l'ordre mondial. L'ordre mondial et personne ne pourra nous en empêcher. Exactement. Bon. Et George Soros, il se plaignait du fait que l'élection de Donald Trump a mis ses plans, leur plan d'établir l'ordre mondial hein, avec le siège à Jérusalem. Hein, j'invente rien, c'est Jacques Attali qui l'a dit. L'élection de Trump, voilà. Disait-il. Hein, voilà, l'élection de Trump a mis leur plan, voilà, là c'est un peu, ils sont en retard là. Voilà, donc si vous ne croyez pas, voilà, vous avez le lien, allez sur quotidien.com, récupérez tout ce, je l'ai traduit in extenso de l'anglais en français parce que j'ai trouvé ça quand même, voilà, elle l'a dit clairement, au moins elle a l'avantage de l'honnêteté. Hein, je pense. Et alors, il y a encore une autre petite pépite avant de laisser nos téléspectateurs, cher Pierre Jovanovitch, c'est ce que vous releviez, la volonté d'En Marche de fusionner l'Assemblée nationale française avec l'Assemblée nationale allemande. C'est vieux. Ouais. Maintenant, les Allemands et les Polonais ont réclamé, les Polonais, ça date de hier, hein. Les Polonais réclament notre parapluie, c'est-à-dire qu'en fait, ils réclament notre couverture militaire nucléaire, et ils réclament surtout notre siège à l'ONU. Ouais. Et comme les Allemands. Hein. Donc, parce qu'ils disent, bah, finalement, il faut partager, il n'y a pas de raison que hein, nous aussi, on fait partie de l'Europe. Hein. Vous voyez un peu la pression. Ça, c'est, les Polonais sont totalement pro-américains, donc ça, c'est une manipulation purement américaine. Là, voilà, c'est signé CIA en grand. Là c'est joli, remarquez, c'est bien fait. Hein, Bon, et puis pour terminer, Pierre, on peut peut-être parler des personnalités préférées des Français, des trois premiers exemples. Pierre, vous allez nous en parler. Hein. Des exemples de gilets jaunes. Alors, premier, Jean-Jacques Goldman, je crois qu'il est exilé aux États-Unis. Danny Boone. Londres.
Londres, pardon. Omar Attends, le mec était oui, à Londres. Omar Sy, deuxième, États-Unis. Et il Danny est exilé Boone, et voilà. Et Danny Boone il paye ses impôts aux États. Et Danny Boone, d'ailleurs, ça a fait moins de bruit que lorsque Gérard Depardieu est parti. Bien sûr. Enfin, je ne sais pas mais pourquoi. Bien sûr, mais parce que Gérard Depardieu est de droite, donc il fallait le couler. Ouais. La presse de gauche n'a qu'une seule obsession, c'est la droite. Ouais. Voilà, il n'a pas la carte du parti, hein, donc c'est normal. Bon. Donc voilà. Mais je trouve ça, le journal du dimanche, c'est vraiment une grosse arnaque, quoi. D'abord, un, ils sont en train de mener une campagne contre les Gilets jaunes. Comment ils font leur classement? Parce que je ne sais pas, j'ai... Non, mais je ne rencontre pas beaucoup Pierre, de fans de Jean-Jacques vous, Goldman. Vous et moi, enfin, bah, oui, moi non plus. Hein, franchement, ça date d'il y a 30 ans. Quoi. Ouais. Vous et moi, on décide d'une liste hein, voilà, de nos personnalités préférées. Hein, voilà, puis, puis tu vois, on va donner on ça va à Sauffresse. voilà, puis, et vous donnez les, joies, les gens n'ont que le choix entre nos personnalités favorites à nous. C'est bidon comme choix. Puis ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Moi, je suis sûr que si vous faites une enquête dans la cité des 4000 à Marseille-Nord ou à la cité des 4000 à Gennevilliers, vous n'aurez pas forcément les mêmes... Déjà, vous n'aurez pas forcément les mêmes rappeurs qui vont arriver en tête, hein, déjà, en tant que personnalité préférée. Bouba, Caris... voilà, exactement. Et puis Omar Sy, qui vient nous donner des leçons, en plus. Hein, il nous a donné des leçons pour qui voter. Je veux dire, il est nul comme acteur. On a vu le beat de ses films. Enfin bon, mais je ne vois pas en quoi il est assez, la personnalité favori des... mais bon, ça m'étonne pas. Hein. C'est la presse Lagardère, elle est aux ordres, c'est normal. Le JDD est devenu un torchon comme le monde. Hein. C'est malheureux de voir ça. C'est malheureux de voir ça. Avant, moi, je me précipitais sur le JDD le dimanche. Mais maintenant, bon, on sait quoi s'en tenir. Quoi. Pierre Jovanovic, merci d'être venu une fois de plus. Alors tiens, attends, non, pour la route. Bon, alors avant non, que... Si. Bon, allez. Ah si, on est, parce qu'on est dans allez-y, les médias. Allez-y. On va se faire plaisir là, regardez bien. Là, l'ancien directeur de BFMVC est maintenant à la Bank of America. Voilà, ça, hein, après avoir piloté le parti En Marche. Hein, on n'invente rien, hein, voilà. Avec Olivier Comment Pichon... Il, c'est Bernard... Bernard le nom... Bernard Mourad. Mourad, voilà. Ouais. Voilà. Avec Olivier Pichon, il y a un mois, on avait fait quelque chose sur la ploutocratie, parce que c'était l'ancien gouverneur de la FED qui disait que la ploutocratie avait pris le pouvoir. Ben là, on a une superbe démonstration médias, politique hein, et banque. Hein. Je vous disais que les banques ont pris le pouvoir via les médias. Alors écoutez bien, la ploutocratie des élites qui mettent le peuple français en esclavage est toujours d'actualité, hein, qui vous dit que la loi du 3 janvier, c'est très bien. Voici le cas de Bernard Mourad. 15 années à la banque Morgan Stanley, voilà, qui était le directeur financier de BFMVC via Altice SFR, regroupant tous les médias appartenant à M. Drahidon, Libération, L'Express, etc. Bon. Il avait eu la bonne idée de démissionner de sa chaîne, donc de BFMVC, enfin de Altice, pour prendre en main la campagne d'Emmanuel Macron du côté des finances. Hein, donc, de percevoir les dons de Goldman Sachs, des différentes banques qui ont financé la campagne de M. Emmanuel Macron En Marche. Hein, voilà. Il fallait bien mettre à profit les grosses ficelles utilisées chez BFM au profit d'En Marche. Et 22 mois plus tard, ce fidèle complice d'Emmanuel Macron et donc ancien dirigeant de BFM a été mis chez Bank of America France. Hein, America, voilà. Mais bien sûr... Je suis conspirationniste. Vous êtes des conspirationnistes. TV Liberté est conspirationniste. Tous ceux qui parlent de ça sont des conspirationnistes. Voire pire. Antisémites. Voilà. Antisémites. Vous parlez de la Banque of America. Antisémites. Bon. Hein, voilà. C'est malheureusement ça. C'est ce qu'ils essaient de faire. Oui, combien ça coûte ouais. On peut payer On peut payer. CTLM, pré-CTLM. Pré-Cofidis. Bon. Attends, j'ai pas fini. Je pense que vous voyez bien les tenants et aboutissants, sachant qu'un autre cadre de la Bank of America avait rejoint l'Élysée. Je le rappelle, très important. François Hollande a annoncé le remplacement de plusieurs de ses collaborateurs, dont celui du conseiller économique et financier. Emmanuel Macron a été remplacé par, je vous le donne dans le mille, Laurence Boone, qui vient de Bank of America. Voilà. Mais c'est nous qui sommes les conspirationnistes. Voilà. Donc, Laurence Boone, hein, chef économiste Bank of America, Merrill Lynch depuis 2011, fustigeait fin mai l'absence totale de politique économique qui va conduire la France dans 3 ans à mettre...
Hein, elle disait pique et pendre du gouvernement de Hollande. Et que fait Hollande? Il la prend pour, à la place de Macron. C'est extraordinaire. Je ne pouvais pas l'inventer un truc pareil. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est superbe. C'est grandiose. C'est, non mais, attends, ça sera c'est, pour commencer l'année, cette émission, hein, j'ai une pensée pour notre ami qu'on va retrouver, Olivier Pichon. Hein, mais franchement, c'est grand, hein, voilà, on embrasse tous nos spectateurs, il restait tout ça à traiter, hein, voilà, mais on peut pas tout traiter, on peut pas tout traiter. Voilà. Rendez-vous sur quotidien.com, bon, voilà. Et puis vous verrez, je vous retrouve au mois de février, voilà, je vous retrouve dans nos lecteurs. De bonne année à tous nos téléspectateurs, et donc on se retrouvera pour un prochain numéro de Politique Éco, certainement avec Olivier Pichon et avec vous, Pierre, bientôt. Merci. Et j'aurai l'occasion de les embrasser lors des signatures, ça va être sympa, ouais, vraiment. Mais en tout cas, voilà, vous voyez, la plutocratie est en place, mais c'est nous les conspirationnistes, enfoirés.